L'ABM pour azote biologiquement minéralisable représente la fraction d'azote organique minéralisable par les micro-organismes. Et la méthode repose sur l'incubation d'un échantillon de sol brut en conditions contrôlées, c'est-à-dire donc en milieu liquide, anaérobie pendant 7 jours à 40 degrés. Et en fait, c'est la différence des teneurs ammoniacales en début et en fin d'incubation qui permet de calculer l'ABM. Les résultats sont exprimés en milligrammes kilo et en pourcentage d'azote total. Et l'ABM, c'est ainsi un indicateur d'activité biologique de la transformation de l'azote organique et il traduit un potentiel de fourniture en azote minéral.